Les gens qui m'ont regardé sont en direct tout à l'heure à 17h là. S'ils prononcent mon nom, vous connaissez mon transférer les bêtises. Et on n'en parlera plus. Ebiya Zeke, dis Coco Ebiya, on sait que c'est moi. Dis Ilondan Naweklo d'Emilia, on sait que c'est moi. Dis Biscuit de mer, on sait que c'est moi. Donne ta vie à Jésus Ebiya. Ça te dépasse, hein? Donne le nom, mon frère est à 18h. Je vais ouvrir ma bouteille de champagne, s'il te plaît. Le temps passe, j'ai pas envie que la nuit me trouve en attendant que tu dises mon nom. Si tu es garçon, dis mon nom, dis un nom par lequel on me connaît. Biscuit de mer, Coco Ebiya, Ilondan Naweklo d'Emilia. Il faut dire, ne dis pas Ebiya. Si tu es garçon, ton bavardage là, tu peux pas de trop. Pas de garçon de braque comme ça. Ou bien tu es une femme, tu nous dis aussi. Si tu es peiné, tu nous dis. Dis mon nom. Say my name. Say my name. Say my name. Pardon, là, suivez mon compte. Et voilà. Bon, j'attends toujours, hein. Tu me fais. Pourquoi tu as peur? Je ressens beaucoup de peur et de frustration dans ta façon de le faire. Dans ce... Pourquoi tu as peur? Vas-y. Tu as commencé quelque chose. Tu es un homme. Va jusqu'au bout de ce que tu fais. Tu as peur de quoi? Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Dis mon nom. Moi, j'ai dit ton nom. Dis le mien. Et puis, on va en terminer. Et puis, ces histoires, on n'en parlera plus. Si je prononce son nom, elle va envoyer si c'est quoi, elle va faire ceci, elle va finir avec. Les gars, on n'a jamais été un métier accepté par aucune société du monde, ni des sociétés civiles, ni des sociétés religieuses. Donc, quand nous, les artistes, les stars, les personnes reconnues du showbiz et respectées, parlons et qu'on est devenu aujourd'hui des personnes sur lesquelles les gens s'identifient pour se construire un avenir. Parlons, la fille qui parle là, elle doit se taire. Qu'elle arrête ça. Elle ne peut pas amener nos petites soeurs. Il y a beaucoup de moyens de réussir dans la vie. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Elle-même n'est pas encore changée, elle n'est pas trop tard. Donne ta vie à Jésus, Emilia. Donne ta vie à Jésus. Mercredi. Notez bien que cette histoire a commencé mercredi. Après l'interview de RFI. Donc le matin, moi j'attends l'interview de RFI, calmement là le mercredi, sur l'émission de Juan Gomez. Je finis l'interview de RFI, 15 minutes après, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne comme ça, je vois un numéro inconnu. Moi je sais que je ne dois à personne, je ne me repose de rien. Je décroche ce numéro. Quelqu'un me dit allô, je dis ah oui allô, il me dit que c'est Steve Fa. Je dis que ok. Il commence à me menacer. Il passe sur un ton menaçant. Il me dit les trucs, je ne comprends pas trop. Je lui demande, il parle de quoi? Il passe sur un ton menaçant. J'ai le sentiment qu'il a mis le haut-parleur. Et qu'il avait des gens qui sont en train d'écouter la conversation. On parle 2 minutes. Je commence à lui répondre. Il est monté sur un ton menaçant. Je monte sur un ton menaçant. Quand il bavarde, là, il raconte les histoires. Je crois que je comprends plus ce qu'il raconte. Je raccroche. Je ne peux pas laisser une histoire. Ce jour-là, vous allez vérifier le timing, vous allez vérifier les heures. Je ne fais pas de ça une histoire, je ne parle pas de ça sur Facebook. Je ne fais pas un post même sur WhatsApp, rien. Je considère que c'était une erreur, il s'est trompé. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Au fil de la journée, moi, je suis moi calme, moi, chez moi. Vers 15h, mon téléphone sonne. On m'appelle de Bafoussam. On m'appelle de Bafoussam. Je dis que, il y a quoi? On me dit que, oh, Malox, on va te parler, c'est le papa de tel avec les enfants, la famille, tout le monde est assis, la nourrice. Hein? On va te parler d'une situation qui nous dépasse ici. Si tu peux nous venir en aide, parce que vraiment, on ne peut plus. On n'a pas donné l'autorisation à quelqu'un sur l'enfant-ci. On n'a pas donné de droit à quelqu'un sur l'enfant-ci. Mais quelqu'un est venu ici l'autre jour, il dit qu'il veut faire les dons. Maintenant, c'est le chantage qui fait à toute la famille. On ne sait pas ce qu'il veut. Je leur ai dit que
J'ai compris. On va parler de ça. Je ne prends même pas ça trop au sérieux. Ils racontent leurs histoires. Moi, je n'écoute, j'écoute ça comme ça, mais je ne prends pas ça au sérieux. Je raccroche. Je ne fais ni poste, ni communication, ni bavardage là-dessus. Ce n'est pas mon problème. Je me dis que ah, peut-être ils ont eu un souci, un malentendu, ils vont s'arranger. Ce n'est pas mon problème. Mais mon frère, il reste là à 21h, quelqu'un se lève, il fait un direct. Il commence les menaces. Oh Malox, on va te faire ceci, tu ne peux pas, on est prêt, on te calcule, depuis, on ne peut plus accepter ça dans ce pays. Je connais les gens haut placés, on est dans les bureaux, on est dans ma chaîne. Je dis que, hey, ce n'est pas la sorcellerie, ça que je viens de voir. Donc, le matin, mercredi matin, quelqu'un m'appelle, il me menace. Je dis que non, tu as gagné. Hein? Le soir, il fait le direct, il m'insulte. Je dis toujours que je ne dis rien. Je ne dis rien. Oh, Malox, tu n'es rien. On va te montrer. Oh, nous aussi, là, on est prêts. Nous, on est organisés. Oh, on connaît tel dans tel bureau. On va te machin. Je ne dis rien. Je chope maîtrise. Je chope maîtrise. Je vois là que le soir, j'ai mon direct avec Isaka. Je cause avec mon type Isaka de tout et de rien. Comme on a l'habitude de causer de nos histoires d'alcool. On parle ouais, dans le direct, il me lape, il me dit que oh, c'est comment le bois mal, c'est chaud, les titres fonciers, machin et tout. On entre là. Après, quelqu'un lui envoie une question. Que mais, par rapport au direct que Steve va faire, il entre laver Malox, il insulte Malox à tous les niveaux. Il y a même quoi. Le gars me pose la question. Il répond que père, moi je ne sais pas. Apparemment là, il a un problème parce que là, il paraît que comme on m'a appelé de baf. Hein? Ils sont en désaccord sur certains way. Sûrement dû au fait qu'il est venu faire le placement produit du Yao Milo là-bas sans aviser la famille. Et je connais comment ça marche. Il a chopé les dos. Qui laisse ça? Il a mangé l'argent là. Il a mangé l'argent. Je connais comment ça marche. Il a chopé les dos là. Il a chopé les dos et ce n'est pas mon problème. Jusque là, je dis que non. Le petit là quand même. S'il faut aider le petit là, aidez-le même, non? Vrai, non, mon frère? Aidez-le à s'en sortir, non? Aidez-le en demandant à la personne qui vit avec lui. Il n'y a que la personne qui vit avec un enfant qui a un handicap pareil, qui sait de quoi l'enfant a besoin. Il vit avec lui depuis combien d'années? C'est son père, c'est sa mère. Il a des frères autour de lui, il vit avec eux depuis combien d'années? Pour qu'on estime que là, on a fait des procès d'intention, on estime que leur avis ne compte pas. Depuis combien d'années? Je m'assois le lendemain, comme ça ne suffit pas. Les gars déclenchent une cabale. Oh, ils voient les articles. Tu es jaloux. Tu veux montrer quoi? Oh, machin et tout. Je vais vous dire un truc. Je ne vois pas en quoi est-ce que moi je peux être jaloux de ce gars. Ce que vous ne savez pas, c'est que depuis que j'avais envoyé les 100 000 au petit là, des dizaines et des dizaines de gens qui sont dans ce direct, qui sont témoins de cette histoire, sont venus me voir inbox. Ils sont venus me voir inbox, ils veulent faire quelque chose pour l'enfant là. J'ai envoyé les enfants, les gens vers sa famille. Dieu seul sait, je n'ai jamais touché 5 francs de quelqu'un. Les gens sont partis là-bas discrètement donner l'argent, aider la famille là. Je n'ai jamais fait un poste où je dis que les gens ont aidé l'enfant. Mais je crois que l'enfant est devenu un business. Et ce n'est pas bon. C'est un enfant. Et de surcroît malade. Et de surcroît malade. J'ai envoyé des dizaines et des dizaines de gens vers cette famille. Je n'ai jamais touché 5 francs de cette famille. Je ne me suis jamais prévalu du fait que on m'a donné l'argent, on venait me contacter, j'envoyais vers la famille. Non. Ce n'était pas ça mon but. Quand je donnais l'argent à ce petit, c'était que j'attirais l'attention des gens. Mon but était d'attirer l'attention des gens pour qu'on donne quelque chose à la famille là. Faites comme moi. Donnez, quittez sur ça. Donnez, quittez sur ça. C'était ça, la vérité. On parle d'un homme qui a un enfant malade. Il éduque son enfant depuis avec sa femme qui a porté son enfant 9 mois dans le ventre. Vous venez aujourd'hui lui dire qu'il n'a aucun droit sur l'enfant. Il ne doit rien dire. L'enfant là, comment est-ce que selon vous quelqu'un peut se lever dire à un papa qui a un enfant qui a une déficience mentale
de prendre son enfant, venir à Yaoundé, le laisser dans la maison du gars et partir au village. Qu'est-ce que vous me parlez là? Moi j'ai des enfants, qu'est-ce que vous me racontez là? Vous me racontez quoi? Donc je dois accepter ça? Je dois accepter ça? Que ce papa se lève au village, il prend son enfant, il vient à Yaoundé, donner à quelqu'un, le père dit non, on lui fait le chantage. Parce qu'on a dit qu'on va arranger sa cordonnerie. Vous prenez un inconnu, tu ne sais pas s'il a l'enfant. Tu ne sais pas ce qu'il est. Tu ne sais pas où il vit. On ne sait pas ce qu'il fait. On prend l'enfant de quelqu'un, on ne peut pas lui donner. Et les gens me disent que j'ai tort. Que j'ai tort de penser que non. Cet enfant, la responsabilité de toutes les actions qui doivent être faites envers cet enfant doivent d'abord passer par ses parents. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Hein? Je demande ce que moi j'ai dit de mal. En disant que la responsabilité de cet enfant, tout ce qui concerne l'avenir de cet enfant, doivent passer et être validé par ses parents. Vous faites le procès d'intention à ses parents. Vous dites qu'on va donner l'argent à ses parents, ils vont manger. Ce n'est pas l'enfant qui doit manger l'argent sur lui, si ce n'est pas le... Ce n'est pas l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui doit manger l'argent sur lui, si ce n'est pas eux. Qui mérite de manger l'argent sur l'enfant là aujourd'hui, si ce n'est pas eux? Qu'est-ce qui vous coûte de donner et de quitter sur ça? Vous dites que je prends l'enfant de quelqu'un, je fais le business avec. Quelqu'un d'autre s'assoit là-bas et dit que oui, lui-même il a les enfants à la maison. Il en train de dire que oui, prends-le, utilise-le. Non les gars, non. Moi je vous dis non. Moi je vous dis non parce que moi-même j'ai l'enfant. Je vous dis non. Je ne vous dis non. Les gars, je ne peux pas accepter ça. Si vous, vous acceptez ça, moi je ne peux pas accepter ça. On dit que mon cœur est dur, mais le gars là, hein, mon cœur n'est plus dur. Non. Le petit là, quand je le regarde, c'est un petit innocent. Il ne connaît rien. Ses parents sont naïfs, mais ils ne sont pas idiots. Ils ont dit que leur enfant reste à côté d'eux. Ce dont l'enfant a besoin, c'est d'aller à l'école. Et d'avoir la possibilité d'avoir une couverture santé qui va le permettre de grandir comme tous les autres enfants. L'enfant là n'a jamais demandé qu'il va aller en France. Fally Ipupa n'a jamais fait une promesse de don à cet enfant. Jamais. Il a occupé d'un enfant. À la moindre occasion où on dit qu'il est en désaccord avec les parents de l'enfant, où ils disent que non, tu ne gères pas l'argent, il dit qu'il lave ses mains. Vous croyez que ce type peut s'occuper d'un enfant? Et de sur quoi un enfant qui a une déficience mentale? Vous êtes sûr? Hein? Laissez-moi le bavardeur de Facebook. Hein? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que cette personne qui a la moindre occasion dit je lave mes mains sur un enfant? Tu sais ce que ça veut dire, je lave mes mains? Combien de parents sont capables de dire que je lave mes mains sur mon enfant? Si tu veux vraiment prendre cet enfant comme ton enfant, combien de parents sont capables de dire je lave mes mains sur mon enfant? Toi tu l'as dit, je lave mes mains. Pourquoi? Pour une question d'argent. Je veux aussi avoir ma part sur ça. En fait, donc tu es derrière l'enfant là comme ça, c'est le problème, c'est l'argent. Hein? Donc tu es derrière l'enfant là comme ça, ton problème c'est l'argent. Hein? Personne qui doit les dons là, son problème c'est l'argent. On va encourager le petit là. Donc tu es le seul que ton problème derrière l'enfant là c'est l'argent et tu le défends et tu n'as pas honte de le dire. Je suis derrière l'enfant là parce que mon problème c'est l'argent. Quel argent mon frère? Tu cherches que l'argent derrière l'enfant là? Tu cherches que l'argent que tu as investi quoi sur l'enfant là? Tu cherches quoi? Le petit là s'est levé, il a eu son succès au village seul. Tu cherches quoi derrière l'enfant là? Tu as investi quoi sur l'enfant là pour exiger que tu veux l'argent derrière l'enfant là? Ouais, la sauce est là. Que le père, mon père, il a dit, hein, j'ai appris mon téléphone un jour pour t'appeler. Non, tu ne m'as jamais appelé. Écoutez bien ce que le père dit. Mon père, est-ce que j'ai déjà pris mon téléphone un jour pour t'appeler? Non. Voilà. Est-ce que j'ai déjà pris mon téléphone un jour pour appeler un quelconque membre de ta famille pour lui raconter une histoire? Non. Voilà. Mon père, oui. Quand la nourrice du petit m'a appelé, hein, ainsi que vous qui étiez là, vous m'avez dit que c'est parce que vous ne voulez pas que quelqu'un... Que les dons qui viennent au petit là passent par quelqu'un, non? Justement. Hein? Vous m'avez dit que quoi? On ne veut pas que ça passe entre les mains de quelqu'un. Voilà. Et quand vous êtes en train de faire quoi? Parce que vous aviez un problème en ce moment-là. Hein? Voilà. Il faut expliquer aux gens quel était le problème. Parce que, apparemment, ici, il y a un gars qui a dit sur Internet, pris l'argent de tout le monde. Il dit que vous avez donné les autorisations que l'argent des gens passe par ses mains. Hein? Et qu'aujourd'hui, il a récupéré l'argent des gens et il bloque et il dit qu'il ne peut plus donner. Pardon, mon père, explique aux gens ici que vous n'avez pas donné d'autorisation aux gens parce que peut-être ils ne comprennent pas bien.
on n'a pas donné l'autorisation à quelqu'un de prendre l'argent de l'enfant. Si quelqu'un veut faire un don à l'enfant, il vient directement. C'est comme Éthiopie vient de faire le don à l'enfant qui s'allait même. Voilà. La fondation Eto vient de faire un don à l'enfant. Ils n'ont pas eu besoin de faire de bruit. Ils n'ont pas besoin de tourner. Et laissez-moi vous dire que parmi le don que la fondation Eto a fait, hein, il y a une prise en charge de la scolarité de l'enfant. Ça, vous ne le savez pas. Il faut leur dire ça, papa. C'est tout à fait normal. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Voilà. Je suis en train de leur dire ça. Ils sont en train de voir. Il y a 11 000 personnes connectées. Ils sont en train d'écouter ce que le papa de l'enfant est en train de dire. Écoutez bien pour ceux qui n'ont pas compris. Je retraduis. Le papa de l'enfant a dit que son problème depuis, c'est qu'il n'a donné aucune autorisation à qui que ce soit de récolter des dons au nom de cet enfant et que la seule moyen de pouvoir entrer en contact avec cet enfant, c'est de venir voir la famille. Il y a un monsieur sur Internet qui raconte partout qu'on fait des dons, il va changer la vie de l'enfant, il va mener l'enfant à gauche, à droite. Est-ce que quelqu'un lui a demandé de faire ça? Parce que c'est là où la question se pose. Aujourd'hui, les gens ont donné des dons à ces gars. Ils ne veulent pas remettre les dons à la famille. Il fait le chantage à la famille. Hein? Il prend l'argent des gens, il ne veut pas donner. Il dit qu'il a le monopole, c'est lui qui va changer la vie de l'enfant. Papa, répète encore bien le nom de la fondation qui vient de donner le don à l'enfant là. La fondation Samir Eto. Donc vous comprenez bien que ce garçon de 6 fois dit qu'il peut changer la vie d'un enfant plus que Eto. Comme il lave ses mains là, c'est ce que vous voulez me dire. Que comme il a lavé ses mains, il a bloqué la vie de l'enfant là. Moi je vous dis non. Il ne peut pas bloquer la vie de cet enfant. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, il ne peut pas bloquer la vie de cet enfant. Cet enfant a un Dieu au-dessus de sa tête. Je te dis. Vous ne pouvez rien le faire. Si Samuel Eto lui-même a dit qu'il va venir voir l'enfant là personnellement, tu n'es rien s'il veut faire. Tu n'es rien pour dire que tu laves les mains sur cet enfant. Dieu n'a pas lavé les mains. Il va t'appeler, il va appeler Laurent plus tard, il va essayer de te joindre et il va envoyer les gens vers vous. Hein, papa? Toutes les personnes qui font les dons là, je vais les envoyer directement vers vous. Hein? Papa, écoute bien ce que je vais te demander de faire. Papa, tu vas faire une vidéo, hein, dans laquelle tu vas dire un numéro de téléphone, hein, avec l'enfant. Tu vas faire une vidéo avec l'enfant dans laquelle tu vas dire un numéro de téléphone qui sera le numéro avec lequel on va vous joindre si on va vous faire les dons. Hein? Je vais donner ça, je vais mettre ça sur Internet. Toute personne désirer de faire des dons va passer par ce numéro ou cette boîte email. Toute personne qui n'a pas la possibilité de faire des dons va pouvoir au moins partager cette vidéo pour que ça arrive le plus loin possible afin que les gens qui ont les moyens de faire des dons et d'apporter du soutien à cet enfant toute sa vie viennent vers lui. Hein, papa, tu comprends ce que je veux dire? Hein? Donc tout à l'heure, tu n'auras plus besoin d'intermédiaire. Tu vas donner ce numéro. On va faire une vidéo dans laquelle on va marquer ce numéro. On va mettre sur Internet. Les gens qui n'auront pas les moyens de faire un don, ils auront l'obligation et l'obligeance de partager cette vidéo au maximum pour que cette vidéo touche et parle aux gens qui ont la possibilité de faire des dons pour qu'ils viennent vers vous. Papa, je ne tourne pas pour le dire. Papa, la vie de ton enfant ne change pas sans ta vie. Tu comprends, non? Hein? C'est ton enfant. C'est ton enfant, toi et ton épouse. Vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Hein? Vous avez nourri cet enfant. Vous l'avez porté, vous l'avez supporté. Il a la chance qu'aujourd'hui, les gens le regardent. Hein, papa? Comme les gens le regardent, s'il profite de son succès, c'est normal que son papa profite de son succès parce qu'on ne connaît pas la souffrance que tu as eue avec cet enfant. Tu comprends, non, papa? Toute personne qui veut aider, pas seulement cet enfant, mais cette famille qui vienne. Moi, je vais donner la vidéo tout à l'heure. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, papa. Non, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Pardon, papa, parce qu'il y a des gens ici qui vont douter que c'est toi. Rappelle-leur bien ton nom pour qu'ils comprennent, ton nom de famille, pour qu'ils sachent. Je donne mon nom. Oui, donne ton nom de famille pour qu'ils sachent qui tu es. Mon nom, c'est Sezong Victor. Vous comprenez bien, non? Voilà. Ok, papa Sezong. Oui, c'est papa Sezong. Papa Sezong, je vais t'envoyer. Donc, tout à l'heure, tu vas me faire la vidéo, tu vas envoyer, je vais mettre. Et les gens qui veulent faire les dons vont venir vers toi. Si Samuel Eto est venu faire le don vers toi, ça veut dire que n'importe qui sur terre peut venir. Tu comprends, non, papa? Et Samuel Eto, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas les gens qu'on voit comme ça. S'il a envoyé les gens à Bafoussam faire le don pour toi, papa, ça veut dire que lui-même, il peut venir et il peut amener des gens encore plus grands pour venir. Tu comprends, non? Que personne ne t'intimide qu'il a lavé les mains sur l'enfant, là. Dieu n'a pas lavé les mains sur cet enfant. Tu comprends, non, papa? L'enfant, c'est à lui.
Ok, papa, bonne soirée. Hein? Non, non, pas que salut. C'est ça, mon papa. Ah, attends, attends, attends. Attendez, le petit m'appelle là. Le petit m'appelle. Bon, il est là. Allô? Allô? Oui, allô, ça va? Ah, oui. Oui, salut tout le monde ici. Dis-là bonsoir. Bonsoir. Ok, d'accord. Et dis-là merci pour tous les dons qu'ils ont fait pour toi. Hein? Oui. Dis que merci. Je vous dis merci pour tout. Je vous dis merci beaucoup. Voilà. C'est ça, mon petit. Hein? Mais il faut être sage à l'école. Hein? Parce que vu que tu te balades trop, l'autre jour, quand on est arrivé au village, te chercher. On m'a dit qu'on t'a cherché pendant, partout, on t'a pas vu. Tu étais où? Tu étais où quand t'as cherché l'autre jour au village? Tu étais où? J'étais en haut. Tu étais en haut. Toi, tu es John partout. Tu dis que quoi? Tu étais où? J'étais en haut. Ok, d'accord. Comme tu étais en haut, ça va. Mais ne te balade plus trop comme ça. Il faut que tu partes à l'école. Hein, parce que papa et toi payer ton école. Tu comprends, non? Ok, d'accord. C'est bien. On va t'envoyer d'autres dons. Merci. Hein. Ok. Je profite comme ça pour parler à ma soeur du village, en patois. Fleur de Lille, il faut qu'au jour nous j'entonne. Et parle ça en patois pour que tu comprennes. Au jour nous j'entonne. Parce que ça va devenir une autre histoire. Parce que je sais ce qui se passe. Je n'en veux à personne. Hein. Je n'en veux ni à Sivefa, ni aux gens qui sont passés la journée à m'insulter. Je n'en veux ni à Sivefa, ni à ces gens. Mais je vais vous dire, tout le monde peut se tromper. Mais moi, connaissant le showbiz, ce petit a une étoile pure. Son étoile est pure, son énergie est pure. C'est Dieu qui a posé la main sur le petit là. La puissance du... Enfin, je vais envoyer la vidéo qu'ils vont m'envoyer vers vous. Si vous ne pouvez pas donner les dons, faites tourner la vidéo. Partagez simplement la vidéo. Ceux qui peuvent donner, qui s'appellent, qui donnent. Vous serez heureux demain de vous asseoir vous-même et dire « Ah, j'ai appelé le papa de tel, j'ai changé sa vie. » Tu es capable de prendre ton téléphone, l'appeler et dire « Hey, papa, comment va l'enfant là ?» C'est ça la vie. C'est ça le plaisir qu'on a. On n'attend rien d'autre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci d'avoir écouté le direct. Steve Fa, je vais te dire, j'ai là bijou. On s'est rencontré à plusieurs occasions, on a joué dans la même équipe, toi et moi. Donc, comprends ce que je te dis parce que je suis dedans depuis plus longtemps que toi. Comprends ce que je te dis parce que les grands frères comme les Eto'o ont déjà mis les pieds dedans. Comprends ce que je te dis parce que l'étoile de ce petit est destinée à briller. Et ne sois pas le gars demain qu'on va voir comme le gars qui voulait empêcher que cette histoire arrive. Que son histoire arrive. Ce que tu as donné, donne et ne regarde pas derrière. Donne et ne regarde pas. Je comprends qu'ils ont peur. Je porte dans mes pieds comme vous avez vu là. Je m'en vais à l'ouest. Quand j'arrive donc à l'ouest avec Milo, je remets trois... Parce que moi je voulais donner 250 000 ici à Yaoundé. Il dit bon, je n'arrive pas au village parce que je ne peux pas arriver au village comme ça et donner seulement 250. Je donne donc 300 000. Je donne 300 000. Et Milo aussi donne sa part. Milo a donné son enveloppe à la famille. C'est comme ça que ça se passe quand vous avez vu la vidéo. Donc, vous avez vu la vidéo. Après avoir fait ce don-là au village, je ne veux pas revenir là-dessus. Je me lève donc, je pars. Quand je pars, puisque je suis à Bafoussam, je m'en vais à Tchang, parce que j'ai dormi à Tchang. Quittant de Tchang maintenant, je me dis, mais attends, puisque je n'ai pas trop de temps, pourquoi ne pas quitter d'ici et aller directement à Douala, essayer de rencontrer, puisque beaucoup d'entreprises se retrouvent à Douala. Je m'en vais donc à Douala le même jour. Dans beaucoup d'entreprises, je demande aux gens, voilà un petit qui fait le buzz, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Genre, on signe un contrat. Moi, je peux faire des petites vidéos. Je peux faire des scénarios pour des petites vidéos de quelques secondes. Parce que l'enfant ne peut pas faire la musique. Ce qu'on peut faire, c'est faire des petites vidéos pour que l'enfant vienne dire ça sur sa page et tout. Et là, ça va peut-être vous faire vendre. Et en retour, vous donner de l'argent à la famille du petit. Quand je finis comme ça, là, j'appelle le père de l'enfant. Parce que quand je finis, je poste la vidéo étant en channel. Directement, je crée le litchi. Quand je crée le litchi, j'appelle le père de l'enfant. Je lui dis, comme il ne connaît pas ce que ça signifie litchi, il dit qu'il y a mes gens sur Internet qui sont en train de cotiser. Je lui dis simplement ça. Maintenant, quand je vais rencontrer les gens de l'entreprise à Douala, une grosse entreprise, je leur dis que quand les gars me disent que bon, si c'est toi qui nous dis ça, ça signifie que le projet est sérieux. Va-tu monter un projet avec la somme que tu veux qu'on donne à l'enfant et tu nous envoies ça. Quand je sors de là, je suis tellement content. J'appelle le père de l'enfant. Je lui dis que je suis à Douala.
je viens de rencontrer une entreprise qui va certainement donner de l'argent pour vous. Et aussi, le lendemain, quand j'appelais le père, la cagnotte était déjà à 1000 euros. J'ai dit aussi au père que mes gens que je t'ai dit qui étaient en train de cotiser là, il y a déjà 600 000 dans la cagnotte pour ton enfant. Donc, sache que c'est des choses qui sont vraiment sérieuses. Donc, c'est là où le père me dit au téléphone que, est-ce que tu sais même que l'argent que tu nous as donné hier là, les 300 000 là, je n'ai pas tout reçu. Non, ce n'est pas le père qui me dit ça. C'est mon assistant à Bafoussam qui me dit que le père n'a pas reçu tout l'argent. Donc, c'est comme ça que je rappelle le père. Je dis, mais attends, comment ça tu n'as pas reçu tout l'argent? Il dit que et l'argent de Milo et l'argent de que j'ai donné, ça a été coupé par la tante qui a reçu l'argent. Je me suis fâché. Je dis, mais ce n'est pas normal. Elle ne doit pas faire les choses comme ça. Le père me dit, non, faut te calmer. J'ai dit, non, donne-moi son numéro. Le père me dit, non, je ne peux pas te... Bon, il a tourné, il ne m'a pas donné le numéro de la tante. Il ne me donne pas le numéro de la tante, donc. Il me dit, non, faut te calmer parce que la tante, elle fait beaucoup pour nous. Même quand on a faim, c'est là-bas qu'on peut manger. Vous avez vu la maison, là où on a vu l'enfant, c'est la maison de la tante. La maison du père même est délabrée. C'est là où le père me dit même que, comme elle a fait comme ça, là, j'ai vu son cœur. Prochainement, quand tu vas vouloir faire, je vais aller récupérer mon enfant. Prochainement, quand tu vas vouloir faire, tu viens directement faire ça chez nous. J'ai dit donc au père là que bon, puisqu'elle a fait comme ça, c'est mieux donc que je traite avec toi directement. Filme ta maison, tu m'envoies, je vais montrer aux gens. Parce que je sais que le bonheur de l'enfant passe par ton bonheur. Et quand j'ai quitté de là, le père est venu me voir en solo, il m'a dit qu'il est cordonnier. Je lui ai dit que moi, je veux me battre pour toi. Parce que je sais que si tu n'es pas heureux, l'enfant ne sera pas heureux. J'ai dit au père que je veux me battre pour toi. Donc quand il me dit donc que la maison qu'il faut, parce que j'ai dit que l'argent que les gens cotisent là, on ne va pas vous remettre ça parce que je vois comment vous faites ça. Vous manigancez. Ce qu'on veut, c'est le bonheur de l'enfant. Donc, on va utiliser l'argent là pour arranger ta maison, le père. Il me dit, ok. Il me dit que sa maison est vieille. Il lui dit qu'il n'y a pas de problème. On va utiliser l'argent là pour arranger ta maison. Si bien que j'ai envoyé quelqu'un aller filmer. Donc, quand je dis ça au père, le gars est tellement content qu'on va arranger la maison. Et je dis aussi au père que actuellement, il faut donc que je commence à chercher les partenaires. Parce que mon but, c'est que quand on arrange ta maison, que ta chambre, que la chambre de l'enfant ressemble à la chambre d'un prince. Et en parlant de chambre d'un prince, il y a aussi quelqu'un qui m'a contacté pour la publicité, justement, et qui m'a envoyé les photos. Il m'a envoyé les photos de ce qu'il... Apparemment, il est peintre, designer. Il m'a montré à quoi la chambre de l'enfant va ressembler. Donc, le gars voulait faire ça gratuitement. Vous vous rendez compte, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Donc, c'est comme ça que j'appelle dans le père. J'ai dit au père que, bon, venez à Yaoundé. Et quand j'ai dit au père de venir à Yaoundé, c'est pour qu'on aille rencontrer une autre entreprise. Je lui dis, viens avec l'enfant. Il me dit, ok, il va venir avec l'enfant. Il dit, viens aussi avec l'enfant de la tante. Parce que même si la tante a fait ça, il faut quand même qu'on mette la tante dedans pour qu'elle sache ce qui se passe. Viens avec l'enfant de la tante. Après, il me dit que sa femme souffre aussi. Sa femme, à chaque fois qu'elle veut manger, elle passe chez la tante demander la nourriture. Je lui dis, bon, viens aussi avec ta femme. Et quand je dis viens avec ta femme, c'est que j'ai appelé une entreprise à Yaoundé qui fait dans un institut de beauté. J'ai dit, bon, je peux amener la mère du petit là ici. Vous lui faites les soins. Après, vous lui donnez 200 000. Et moi, je filme, je ne vais pas mettre sur ma page. Les gens vont regarder. L'entreprise a accepté. Donc, si la mère de l'enfant venait, c'était pour aller faire ça et avoir un peu d'argent. Le père, il m'a dit qu'il était coordonné. Je lui ai dit de venir parce que je voulais l'amener aussi dans une autre entreprise pour qu'on lui donne aussi les choses pour sa coordonnée parce que j'avais promis. Maintenant, l'enfant, parce que j'ai demandé qu'il vienne pour l'enfant, j'ai contacté un, il s'appelle comment là? Je crois que j'ai écrit son nom quelque part là. Il est psychomotricien. Parce qu'on m'a dit de contacter un psychomotricien pour l'enfant. Il s'appelle Dr Serge Babilama. Donc les parents devaient arriver ce soir pour qu'on aille demain voir Dr Serge Babilama. Donc, voilà donc pourquoi est-ce que les enfants devaient venir, le père devait venir. Donc, je vous ai expliqué déjà tout. Donc, maintenant, avant même qu'il ne vienne, j'ai dit au père que désormais, et j'ai même aussi dit au père par rapport aux soi-disant producteurs, là, les producteurs qui voulaient produire l'enfant, j'ai dit au père que quand l'argent là va arriver, je vous avais dit de donner un peu aux producteurs là, mais maintenant ne donnez plus. Mais par contre, parce que c'est des gens quand même qui sont déplacés, qui ont signé un contrat, qui ont fait les choses avec l'enfant, ils vont calculer tout ce qu'ils ont dépensé. Le père, ils vont calculer, ils vont te dire, il faut que tu leur remettes ce qu'ils ont dépensé. Le père m'a dit oui.
Parce que pour moi, je ne veux pas que mon image soit écornée demain. Je ne veux pas que les enfants-là aient dit qu'ils ont dépensé sur l'enfant, ils avaient signé un contrat, après ils n'ont rien eu. Il a dit au père là que vous allez retirer un peu d'argent, vous allez donner aux gens là. Le père a accepté, le père de l'enfant. C'est comme ça que j'appelle Général Voyage aujourd'hui encore. J'ai dit à Général Voyage qu'il y a 4 places, réservez 4 places. On commence à me dire, l'autre fois tu as réservé, ils ne sont pas venus. J'ai dit, ouais, excusez-moi, aujourd'hui là, ils vont venir. Réservez 4 places, ils vont entrer dans le bus. N'est-ce pas, voilà Général Voyage qui réserve 4 places. Entre-temps, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ignore, ce que tout le monde sait. Il y a l'Obaman est allé dire dans une vidéo que un placement de produit, c'est 10 millions. C'est ce que l'Obaman allait dire dans une vidéo. Maintenant, quand je demande aux parents de l'enfant de venir avec l'enfant, l'Obaman appelle la tante en question pour dire à la tante que le gars là est en train de manger l'argent sur vous. Il a pris 10 millions dans votre dos. Il dit ça à la tante. L'Obaman dit à la tante que j'ai lancé un litchi en ligne pour avoir l'argent, qu'il y a beaucoup d'argent, que les gens sont en train de contribuer. Oh, je vous jure, quand l'argent était à 1000 euros, j'ai appelé le père, j'ai dit, il ne connaît même pas ce que c'est que le litchi, mais j'ai appelé le père, j'ai dit que l'argent qu'on est en train de cotiser, c'est déjà à 600 000. Quand c'était à 2000 euros, j'ai appelé le père, j'ai dit que l'argent qu'on est en train de cotiser, c'est déjà à 1 million. J'ai appelé le père. J'ai été tellement transparent avec ce père-là. Parce que, et le problème, c'est ça aussi au Cameroun, quand tu es trop gentil, on se dit que non, il y a la frappe derrière. L'Obaman n'a maintenant pas dit à la famille qu'il y a 10 millions, que je suis en train de les escroquer. Maintenant, j'appelle le père ce soir. Est-ce que tu es déjà dans le bus? Le père me dit, ah, fous-moi le calme. Tu es en train de nous escroquer. Tu as pris l'argent là-bas à Yaoundé. Oh, viens nous remettre ça au village. Il dit, j'étais glacé. Donc, j'ai garé, je me suis arrêté. J'ai d'abord raccroché. J'étais glacé, j'ai d'abord raccroché. Je suis resté comme ça. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai raccroché. Après, j'ai rappelé, maintenant, étant posé. J'ai dit au père, quand je rappelle... Le père me dit, il commence à bavarder, j'ai dit, le père, calme-toi, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on me dit que tu as cotisé l'argent là-bas, les gens qui cotisent l'argent. J'ai dit, le père, n'est-ce pas, j'étais dit que, quand c'était à 600 000, j'étais dit que c'était 600 000. Quand c'était à 1 million, j'étais dit que c'était à 1 million, le père. Il ne t'a pas dit ça? Il dit, oui. Il dit que tu parles alors de quoi? Il dit qu'on me dit aussi que tu es venu nous mentir ici, là, que tu as pris l'argent, machin et tout. Je ne savais pas quoi dire. Il me dit, faut venir là où tu es venu nous retrouver l'autre fois, tu nous donnes notre argent et tu pars. J'ai dit au père là que, le père, tu sais quoi? Tu n'auras plus rien. Quand un truc comme ça se passe, tu m'appelles, tu me poses la question. Je suis venu très honnêtement. Et il y a un truc que peut-être beaucoup de gens ne savent pas. J'ai l'habitude de dire ici là que j'ai l'habitude de dire aux gens que je suis de l'extrême nord. En réalité, mon père est baleine. Et là où on est allé là, Le petit là, il est baleine. Donc en fait, c'est mon fils. Quand je suis arrivé et que j'ai dit à la tante que moi, je suis un enfant du village. Donc c'est mon fils. C'est vrai que je n'aime jamais dire mes origines aux gens. Mon père est baleine. J'ai dit que là, c'est mon fils. Donc je ne peux pas vous faire n'importe quoi. Le père m'a parlé. J'ai dit au père là que tu n'auras rien. Donc, c'est comme ça que je raccroche. Quand je raccroche, j'appelle l'entreprise. L'entreprise, parce qu'il y a une entreprise qui avait déjà accepté à hauteur de plusieurs millions. On était en train de discuter, les gars étaient prêts à accepter. J'appelle l'entreprise, je dis, il faut qu'on arrête les discussions. Arrêtons les discussions parce que voilà ce qui s'est passé. Et vraiment, je lave mes mains. L'entreprise me dit, mais comment est-ce que ça a pu se passer comme ça? Et l'entreprise me dit, pardon, ne lave pas tes mains parce que tu peux faire comme ça, là, après la famille se rend compte qu'on les a menti, ils reviennent vers toi. Je dis, non. Bon, le problème là maintenant, c'est mon image. Les gens comme le barman là, le barman où il est là. Parce que moi, sans me vanter, je suis l'une des rares personnes au Cameroun qui peut aider la personne là. Parce qu'il n'y a que les entreprises pour donner les gros montants. Il n'y a que les entreprises comme Apecano, tous ces gens là, pour donner les gros montants parce qu'ils veulent la pub. Puisque je sais que je suis l'une des rares personnes qui peut servir d'intermédiaire entre les entreprises et ce genre de personnes. Moi, ce que je vais dire, c'est quoi? Je lave mes mains par rapport à cette histoire-là. Mais, je vais continuer à aider les gens. Parce que je sais qu'on ne peut pas aider cet enfant-là directement. Si on pouvait aider l'enfant-là directement, j'allais le faire. Comme je sais que le bonheur de l'enfant passe par le bonheur des parents, et que la famille-là a fait ce qu'ils ont fait là.
parce que j'ai été le plus clair possible. J'ai été le plus pédagogique possible. J'ai été très pédagogique dans ma démarche. Et à chaque fois, j'envoyais même mon correspondant de Bafoussam là, aller voir le père pour lui expliquer minute by minute ce qui est en train de se passer. J'expliquais tout au père là. La façon dont il m'a parlé au téléphone, j'ai dit que j'ai eu froid dans le dos. Du coup, maintenant, le plus grave. Non, pas le plus grave. En fait, ce que je retiens, c'est que moi, j'ai cru bien faire les choses. Mais apparemment, l'Obama, en faisant ça, je ne sais pas pourquoi l'Obama a fait ça. Peut-être c'est parce qu'il peut faire mieux que moi. Du coup, moi, je lave mes mains parce que je ne veux pas me salir, surtout avec ce genre de personnes. Un spécimen comme ça, vraiment, ça, c'est souiller même mes femmes, avoir une confrontation avec lui dans ce genre de choses. Si on pouvait aider l'enfant directement, j'allais le faire. Voyez-vous, maintenant par rapport au litchi, vraiment, voilà ce que je vous propose, ceux qui ont cotisé pour le litchi. Tous les gens qui ont cotisé, parce que pour vous dire vrai, moi je ne veux plus, vraiment. Tous les gens qui ont cotisé, soit vous allez me contacter, je vais vous envoyer le numéro de quelqu'un en France qui va vous faire les virements, chacun va donner son nom, on va faire les virements. Soit on va aider la petite ange. La petite ange, c'est la fille que vous avez vue dans la vidéo des hémodialysés là. Parce que quand je dis ça, c'est pourquoi. Il y a un fan des États-Unis qui m'avait envoyé 100 000 pour la petite ange. Mais j'avais cherché le numéro de sa mère, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est hier matin que j'ai trouvé le numéro de sa mère. Et c'est hier matin que j'ai envoyé les 100 000 à la mère de la petite ange. Donc ce soir, quand le père là m'a fait ça, quand il m'a fait ça directement, je reçois un appel. Le père de la petite ange m'appelle. Il est content et tout. Je lui dis que papa, ce n'est pas moi qui donne l'argent. Ce sont mes fans qui donnent l'argent. Donc, moi, vraiment, ce que je souhaite. Et je prends un exemple. Les soins et les 200 000 qu'on voulait donner, par exemple, à la mère du petit là. J'ai décidé que demain, j'appelle la mère de Ange, la petite fille qui souffre d'hémodialyse, d'insuffisance rénale là. J'appelle sa mère et Ange, je les amène là-bas. Si je peux même faire une vidéo, parce que c'est juste une petite fille vraiment. Vous avez vu la petite fille là? Je vais aller là-bas, on va donner les 200 000 à la femme là et son enfant. Maintenant, par rapport à votre litchi, ceux qui veulent, on va rediriger ça vers la petite ange là. Parce que justement, il y a une association qui est aux États-Unis. Ceux qui ont envoyé 100 000 là, pourquoi on remet là? Ils ont dit qu'avec la grâce de Dieu, on pourra amener l'enfant là à l'étranger pour pouvoir lui faire une greffe d'organes afin qu'elle soit guérie totalement. Vraiment, soit on va aider la petite ange là, soit tous ceux qui veulent leur argent, on va remettre. Mais il n'est plus question pour moi de faire ça. Je pourrais aider l'enfant. Si quelqu'un aide l'enfant et que Il me prouve vraiment qu'il a aidé cet enfant-là. Comme moi, je voulais qu'on aide l'enfant. S'il me prouve ça, même s'il faut faire ce que j'ai promis faire là, payer le visa, payer le passeport, le billet d'avion pour qu'il aille en Europe, ça je peux faire. Pour vendre ce rêve camerounais-là. Mais moi, je dis, ce que le Barman a fait là, je ne sais pas comment on peut être aussi mal intentionné. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut être aussi mal intentionné. Un vieux, regarde ce que tu fais. Pourtant, dans sa tête, il sait bien. Quand il partait dans son direct là-bas, dit 10 millions, machin. Quelle entreprise va sortir 10 millions pour donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Il part de là-bas dans le direct, dit que, oh, tu as déjà fait quoi? C'est comme si on vit dans deux réalités. Non, mais vous-même, sans être prétentieux, les gars, je n'ai pas fait quoi? Je n'ai pas fait quoi? Quand Obama n'a pas dit ça, c'est parce que quelque part, hein, je plains la famille et vraiment le gros problème, c'est ce Barman là. Le gros problème, c'est lui. Non, non, non. Moi, je dis. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mieux tu leur remets l'argent avant de laver les mains. Non. Je ne peux pas remettre l'argent à la famille là parce que voilà comment ils ont... L'argent que j'ai envoyé, c'est déjà fini. Les 300 000 que j'ai envoyé, la tante prend 300 000, elle remet 200 000 au père. Le père prend 200 000, les gars font comme ça, c'est comme ça que l'argent finit. Jamais l'enfant... Qu'est-ce qu'on a fait pour l'enfant? Qu'est-ce qu'on a fait pour l'enfant? Maintenant, s'il faut absolument que ça aille pour l'enfant là, vraiment, que quelqu'un de sa famille se décide de prendre l'enfant là, venir avec l'enfant là à Yaoundé. Que l'enfant là vienne me retrouver à Yaoundé. Que je voie l'enfant là. Et que je sais que là où on amène l'enfant chez le médecin là, c'est l'argent que les femmes ont payé. Ça va directement chez l'enfant. Parce que je me suis rendu compte que cette famille là, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est leur bien, pas le bien de l'enfant. Et moi, ça me fait...